pu remarquer qu'au final, on se concentrait vraiment plus sur ce qu'on sentait, parce qu'on dit souvent que voilà, on peut sentir un parfum à l'aveugle, mais au final, on a tout un environnement autour de nous. On ne sait pas forcément ce qu'on sent, mais on est dans un environnement. Là, on est complètement dans le noir. Comprendre une famille à travers des exemples suffisamment différenciés et pourtant ayant un tronc commun pour s'approprier les caractéristiques d'une famille, les caractéristiques olfactives d'une famille.